c'était la deuxième personne à livrer. La deuxième personne à livrer sur Ardennes-sur-Mérise. Je suis arrivé, il y avait la fumée. Donc après, il y avait déjà une personne qui était là. Mais bon, ensuite, je suis rentré par la porte principale. Il y avait moins de fumée de la salle à manger, mais par contre, c'était plus concentré dans sa chambre. Et puis, donc après, donc là, j'ai pris un torchon mouillé, j'ai mis autour de ma bouche, quoi. Et puis après, donc là, j'ai essayé plusieurs fois de rentrer dans la chambre, malgré la fumée. J'ai pas pu. Et après, j'ai réessayé une autre fois, mais là, il y avait les flammes. Donc j'ai essayé de rentrer, j'ai pas pu non plus. Une autre fois encore aussi. Donc en fin de compte, après j'ai vu que les flammes elles étaient toutes au du lit, de l'armoire, ça prend le feu quoi. Et puis les flammes devenaient de plus en plus importantes. Et là, le monsieur de Dardanais, donc en fin de compte, j'ai retiré par la fenêtre, tranquillement, après en le basculant. Avec deux chaises, j'ai sorti deux chaises et après on l'a sorti mais difficilement. Enfin j'ai sorti difficilement et puis après donc là après je l'ai allongé, on l'a fait asseoir. Voilà. Et puis c'est normal. Okay. Voilà. Est-ce que vous avez eu peur ? Non. Je pensais plus à la personne qu'à la sauver. Voilà. Okay. Vous êtes fier ? Non, c'est normal. On n'a pas de fierté. Ben écoutez, je suis assez fier de ce qu'il a fait, mais ça va en droite ligne de ce que nous demandons à nos salariés au sein de l'association, puisque nous sommes là pour porter des repas à domicile à des personnes âgées essentiellement, mais leur travail, je leur dis régulièrement, ne consiste pas uniquement en apportant les repas, mais aussi être à l'écoute des personnes et éventuellement leur porter secours lorsque le nécessaire et le besoin s'en fait sentir. Et là, en l'occurrence, M. Rian, je crois que sans l'action de M. Rian, eh bien, cette personne ne serait sûrement plus parmi nous aujourd'hui. Voilà, donc c'est particulièrement satisfaisant. Certaines fiertés aussi pour M. Rian d'avoir accompli ça. D'autant que je crois pouvoir dire en l'ayant rencontré, c'est qu'il a fait ça tout à fait naturellement. Donc il n'en tire même pas de fierté ni de gloriole particulière. Donc c'est très très bien, quoi.